Salut tout le monde, c'est Fier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, plus exactement une nouvelle série qui va être en quête du Dococo, donc le nouveau Dofus qui est sorti avec la match 2.30. Alors bon, je m'y prends pas avec beaucoup d'avance, mais ça fait que hier que je suis rentré, enfin que j'ai eu internet plus exactement, et du coup. J'avais pour objectif de valider quelques objectifs en fait. Normalement, quand vous avez cette vidéo, je la tourne le 30. Le 30, normalement, vous recevez la deuxième partie de présentation de team. Le 31, non, il n'y a pas de 31 septembre. Le premier, vous recevez. Quoi qu'attendez. Non, il n'y a pas de 31 septembre. Le premier, vous recevez. Vous allez recevoir le. Comment ça s'appelle? Le Parlon. Et normalement, le 2, donc aujourd'hui, vous recevrez. Non, enfin, aujourd'hui pour vous, donc le 2, vous recevrez cette vidéo-là, donc la première partie d'enquête du Dococo. Et je vais en profiter pour vous parler un petit peu. J'espère que je ne l'aurais pas fait dans mon parlant, mais je vais faire en sorte de ne pas parler du sujet dont je vais vous parler dans cette vidéo dans mon parlant. Donc, alors, attendez, on va tout de suite commencer. Je me suis juste renseigné où on prenait la quête. Et on va. Je vais lire les dialogues, je sais qu'il n'y a que 5 quêtes, je ne ferai que les 5 quêtes du Dococo. Les 5 autres quêtes de l'île de Moon, je ne les ferai pas. Ça fera donc une série assez courte de maximum 5 épisodes du coup. Et je crois qu'ils ont modifié le skin et il est quand même un petit peu plus stylé comme ça, hein. Et pour cette première quête que je fais, j'ai pris Maxelor, Firaon, mon ennemi Kifir. Mon Helio, Firanthrope et mon Yob Darfir. Je referai en off, donc sans que vous puissiez, sans que vous voyez, 5 Dococo avec les persos qui restent, y compris Maroub. Bonjour, vous semblez fatigué de tous ces combats, ce travail à faire toute la journée pour ne récolter qu'un maigre pécule. Harassé par le runo-boulot-dodo, vous en perdez l'appétit et votre humeur s'en ressent? N'hésitez plus, l'agence touriste est là pour changer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Attendez. Renseigner sur Shiny Bull Smith, bon, on s'en fout. Nous vous proposons du bonheur et de la détente à des prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui, à titre exceptionnel, le voyage sur l'île de Moon est en promotion, moins 50% sur nos tarifs normaux. Oui, vous avez bien entendu, vous devez en profiter. Se renseigner sur la destination, elle vient de le dire. Je vous propose de partir sur une île de rêve, un lieu paradisiaque. Imaginez-vous, allongé sur le sable fin, un cocktail de lait de coco dans votre main, le soleil dorant votre peau délicate. Une fois la journée passée à ne rien faire du tout, vous vous retrouvez à la table des habitants locaux, de fins cuisiniers qui seront petits oignons pour vous. N'est-ce pas ce dont vous avez toujours rêvé? S'informer sur les conditions et le prix du voyage. Le ticket de voyage ne coûte que 1000 kama, c'est presque donné. Pour voyager dans les meilleures conditions, nous vous demandons de vous munir d'un casque et de vous équiper d'une paire d'ailes directrices. Revenez vite avec ces petits riens pour profiter de notre offre exceptionnelle car elle ne sera pas éternelle. Et surtout, invitez vos amis. Les vacances sont tellement plus drôles et plus passionnantes à plusieurs. Donc, on va faire ce qu'elle demande. Félicitations, vous venez d'acquérir votre aller direct pour les îles tropicales. À vous le soleil, la mer et tout ce qui va avec. Vous pouvez partir dès que vous êtes prêt. Équipez-vous de votre casque et de vos ailes en bois et glissez-vous dans le canon. En quelques secondes, vous serez à destination. Bon voyage et bonnes vacances. Alors, donc j'avais acheté ça d'avance, ne vous en faites pas. Alors, donc, elle en bois, casque, on a un look tellement stylé comme ça. Ouais, forcément, ça m'enlève mon. Mes daguerris, c'est normal. Elle en bois, casque, et sur la gazelle, elle en bois et casque, voilà. Ensuite, on prend le canon, c'est un peu comme avant en fait, hein, ça n'a pas changé. Alors, par contre, ah bah attendez, on va quand même regarder la vidéo. Ok, elle est toute simple. Alors, c'est la première fois que Maxel atterrit ici. C'est aussi pour ça que je me demandais où fallait que j'aille. Je vais juste aller prendre le zap avec. Je crois que ce mec-là n'a pas eu autant de chance que nous. Alors, je vais rééquiper mes items, attendez une seconde, désolé. Voilà. Le yop, pareil. Le yop, il faut toujours que je lui change sa coiffe Mrs. Freeze pour avoir un peu plus d'initiative. Et l'hélio. Voilà, parfait. Alors, employé de l'agence touriste, on peut lui reparler.
Bonjour cher client, bienvenue sur l'île paradisiaque de Moon. Si vous avez des questions à propos de cet endroit idyllique, je suis là pour y répondre. Attendez. Ok. Donc, je vais juste... Je vais juste vérifier le succès. Un parfait de vacances, c'est donc la deuxième quête. Alors attendez, déjà je vais valider avec tout le monde et après je vais lire avec le dernier perso. Tac, partir vers la forêt. Merde, toi ferme-toi s'il te plaît. Voilà. Écoutez la suite, la laisser conclure, la remercier, poser une autre question, dire machin, partir vers la forêt. Alors, se renseigner sur les avis, les activités à faire. Vous avez l'embarras du choix, cher client. La plage de la tortue vous permettra de vous prélasser au soleil et de dorer un peu votre peau, ce qui lui donnera un aspect plus jeune et moins fatigué. Vous serez alors jalousé par vos collègues lorsque vous reprendrez votre activité de tous les jours dans les profondeurs des donjons. Vous éprouverez un plaisir ineffable, alors ça je ne sais pas ce que ça veut dire honnêtement, à vous moquer de leur teint blafard et donc forcément maladif. Lorsque vous serez lassé des noix de coco, vous pourrez faire une balade dans la forêt des masques. Vous serez captivé par la beauté primitive des indigènes. Étant donné votre corpulence, vous serez probablement invité à leur table. Savourez ce grand moment dont vous ne reviendrez pas indemne. Indemne, c'est bizarre. Continuez à écouter. Si vous êtes amateur de frissons, le chemin du crâne vous offrira quelques belles frayeurs. Attendez-vous à quelques poursuites haletantes avec des pirates décharnés aux trousses. De quoi raconter des histoires terrifiantes à vos petits-enfants. Si vous survivez, bien entendu. Laissez conclure. Enfin, votre visite ne serait pas complète sans une promenade dans la jungle interdite. Les plantes tropicales sont particulièrement vivaces. Vous pourrez les observer dans leur environnement naturel. Avec un peu de chance, vous apercevrez quelques dodunes, les oiseaux sacrés qui vivent parmi les arbres. Et si vous êtes jugé digne de cet honneur, vous pourrez même rencontrer l'incarnation du dieu de l'île. Ok. Poser une autre question. Dire que vous souhaitez rencontrer le doyen, machin. Je suis sûr qu'il vous en apprendra beaucoup sur les coutumes locales. Vous le trouverez à la lisière de la forêt des masques. Partir vers la forêt. Alors, je rappelle que c'est la première fois que je mets les pieds sur l'île. J'ai juste un petit peu vu la plage et je trouve ça plutôt stylé pour l'instant. J'aime bien le décor, il est assez reposant. En tout cas, il est plutôt cool. On en est à combien de temps? 7 minutes. Bon, on va pas s'arrêter à 7 minutes. Et on va aller parler au doyen des touristes, c'est juste à gauche. Alors, apparemment, c'est une quête bas niveau, à niveau 50 seulement. Je pense que le dococo est très facile à obtenir. J'imagine que c'est lui le doyen. Demandez s'il est bien le doyen des touristes de l'île. On peut dire ça. Je suis ici depuis un sacré bout de temps. J'étais là bien avant que l'agence ne débarque. Mon navire a coulé au large, j'ai bien failli me noyer. Mais le destin en a décidé autrement. Je me suis réveillé sur la plage, du sable dans les oreilles et le crâne recouvert d'algues. C'est comme ça que mes longues vacances ont commencé. Lui dire qu'il pourrait probablement quitter l'île s'il le voulait. Merde. Je suis gouré. Tac. Oh oh, le soleil vous a tapé sur le ciboulot. Pas question que je retourne en amaknas en mon dos coco. Répondre que les noix de coco sont plutôt communes sur la plage. Je parle pas de coco, je parle d'un dos coco, un dofus de l'île de Moon. Dire que vous ignoriez l'existence d'un tel dofus. Normal, c'est un secret qu'il vaut mieux ne pas ébruiter. Si ça venait à se savoir sur le continent, imaginez les hordes d'aventuriers qui débarqueraient. Je suis content d'avoir un peu de compagnie, mais faudrait pas que les plages soient noires de monde, sans compter que les caniboules friseraient l'indigestion. Avouez que vous aimeriez bien mettre la main sur un dos coco. Ça fait des années que j'essaie. Je n'ai pas encore réussi à convaincre les caniboules de me révéler où ils ont caché les œufs magiques. Grâce à un subterfuge, j'ai été admis à la table du caniboule ébile sans faire partie du menu. J'ai amadoué le vieux sorcier avec des cadeaux, mais ça n'a pas suffi. Lui proposer une association pour tenter de récupérer des dos coco. Ma foi, vous m'avez l'air plutôt honnête. Une franche collaboration pourrait accélérer un peu les choses. Topé là, haha, tapé dans la main de gros pinceau. Comme je vous l'ai dit, le caniboule ébile sait où se trouvent les dos coco. Il ne dira rien sous la contrainte, il faut donc gagner sa confiance, tout en évitant de se faire découper en morceaux. La première chose à faire est de dissuader les caniboules de vous jeter dans une marmite. Nous allons fabriquer un onguent répulsif qui leur fera comprendre que vous n'êtes pas comestible. Trouvez-moi de la pulpe macérée de noix de coco, de l'huile de foie de tortue et des feuilles de salace marine. Cherchez des buissons de feuilles bien vertes. Vous les reconnaîtrez à l'odeur, à moins que vous n'ayez le nez bouché. Alors, j'imagine que là, ça va se dérouler sur la plage. Pour l'instant. Alors, voilà. On va faire ça sur tous les persos, c'est un peu chiant.
Alors du coup, ouais, j'imagine que on va progresser à travers les donjons. Je sais aussi qu'ils ont fait un donjon pour le chouk. Alors qu'avant, moi, c'était assez particulier. Le chouk, je crois que j'en ai tapé un seul dans ma vie, voire deux. Maintenant, c'est un donjon à part entière. Alors, il faut que je tape des pulpes macérées de noix de coco et huile de foie de tortue. Et 4 feuilles de salace marine. Alors, j'imagine qu'il va falloir que je tape des mobs. Du coup, je vais vous mettre une petite ellipse. C'est pas intéressant de taper des mobs niveau 50 devant vous. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Désolé, donc j'ai enfin fini de buter tous les mobs. Ouais, buter tous les mobs et récupérer les feuilles de salace marine. Alors, du coup, on lui donne tout. Ouh, je sens l'odeur d'ici. Bien, bien. Vous avez tout ce qu'il faut. Dire que vous avez ramené les trois types d'ingrédients. Pendant que je prépare Longan, vous allez partir à la recherche d'un vieux gros coco. Les Caniboules attribuent des propriétés magiques aux feuilles de ces créatures. Le sorcier Ebile appréciera que vous lui en offriez une en cadeau. Demandez où se cachent les vieux gros cocos. Près de la lisière de la jungle, mais ils ne sortent que lorsqu'ils sentent que leurs congénères sont en danger. Secouez violemment les troncs de quelques gros cocos et l'un des patriarches devrait montrer le bout de son tronc. Donc, j'imagine qu'on va devoir tuer quelques gros cocos. Ouais, il faut en tuer 3. Déjà là, il y en a 2. Bon, je vais vous laisser les combats, hein. C'est pas très long. Lequel joue? Celui qui est tout au fond. Hop. Voilà. Bon, je vais pouvoir le chalmer, on s'en fout. Alors, on va faire les combats vite fait. Je vais booster PA le Yob. Bon, ça va pas être des combats très intéressants, évidemment, mais bon. Faut bien les faire. J'espère qu'on va vite quitter la plage quand même. Parce que bon, c'est pas le plus intéressant la plage. Allez, salut. Il va pas me faire de CC, vous allez voir. PD. Je sais pas si j'ai pris des dégâts. Bon, puis on s'en fout. Bon, plus qu'à tuer. Ah oui, et ce que je voulais vous dire, c'est que. Ben voilà, il est là d'ailleurs. Ce que je voulais vous dire, c'est que. En fait, j'hésite pas mal à changer mon Eni, ma roue en Eni. Alors, c'est bizarre, hein, puisque vous dites que j'ai déjà un Eni, mais tout simplement parce que je n'ai plus trop envie de jouer Roub. Et que l'an prochain, j'hésite entre deux classes. C'est Eni et. Entre Eni et Panda avec plus de chance pour jouer Eni que Panda. Je parle du Goult là. Hein. Donc du coup. Attends, on va placer quelques portails pour mes persos. Donc du coup, ça serait peut-être déjà mieux pour dans un terme de Kama dépensé. Parce que ça me fait un abonnement au moins. Ma Roub est sans cesse abonnée. Tiens, ça m'a fait un petit. Succès mob. Maroub est sans cesse abonnée vu que c'est elle qui gère les comptes, etc. Alors que si elle était directement en Eni, déjà je la jouerais tout le temps dans la team. Et alors attendez. Est-ce qu'il y a une pause pour le mob? Ah putain. Où est-ce qu'il va être con? Oh, ça va être relou de le trouver, je le sens. Alors attendez, on va voir au cas où il repop là. Non. Je crois que c'est en lisière de la forêt qu'il disait, hein. Donc ça va peut-être être vers le nord. Bon, là, il y a quelques archis, mais je m'en fous. Je suis pas là pour faire un ocre, même si je ferai des ocres. Puisque normalement, si vous avez bien écouté mon parlon, vous savez que j'ai envie de faire les succès sur tous mes persos. Donc ce qui implique évidemment de faire 7 ocres sur les persos qui me manquent. Et c'est pour ça en partie également que j'aimerais changer ma roue en Eni. Déjà, ça me ferait des succès en moins à faire. Ça ferait un compte en moins à abonner. La seule chose que je veux faire avec la roue avant de changer de classe, c'est les duos qui sont bien pour à faire avec roue, c'est-à-dire les duos. Ah, il est là. Les duos
Dimension, sauf peut-être le. Sauf Vortex, parce que j'ai un peu la flemme en Vortex. Peut-être rechanger de classe plus tard, même si je suis pas trop adepte de changer de classe pour un simple duo. Après, c'est. En fait, c'est en se disant que je fais pas par rapport au succès. Mais attendez, ça je vais le dégager, voilà. Pas par rapport au succès, mais pour un terme pratique, on va dire. J'imagine qu'il faut que je retourne voir le PNJ. Donc, le changement de classe de ma roue pourrait être bien. Pour faire déjà, ça me ferait faire des économies sur le long terme en ce qui concerne l'abonnement. Ça m'évitera de faire. Il y aura des succès x9, mais x8. Donc, en gros, c'est moins relou. Je peux les faire soit tous d'un coup, soit 4-4, par exemple. Et enfin, c'est beaucoup moins handicapant. Et j'hésite beaucoup à changer ma roue de classe en Annie. Et du coup, mettre Vikifer pas au placard. Mais enfin, si, en quelque sorte. Elle aura plus de stuff, quoi. Mais éventuellement, si. Ça me ferait deux Annie. Bon, c'est un peu con. Mais après, mon Annie pourra très bien être une autre classe qui pourrait me servir à quelque chose, par exemple. Alors, montrer la feuille de vieux gros coco. Appliquer l'onguent sur votre peau. Et pour rencontrer le caniboulet et Bill, traversez la forêt des masques et adressez-vous au gentil organisateur près de la porte du village. Bonne chance, j'attends mon dococo avec impatience. Attendez, j'ai eu un petit succès en quête de solution. Je crois que c'est 200 quêtes terminées. Donc avec Maxel, j'ai fait 200 quêtes, je crois. On va vérifier ça, attendez. Ah non, 100, ok, pas 200, 100. Ouais, c'est vrai que Maxel, je commence à peine les succès. Hein. Regardez, elle a pas beaucoup de points, elle est à 2600. Se diriger vers la forêt. Rassurez-vous, l'odeur va s'atténuer un peu avec le temps. L'important, c'est qu'aucun sauvage n'aura envie de vous mordre. Ça n'empêchera pas les indigènes de vous attaquer pour le plaisir, mais vous ne finirez pas au fond de leur estomac. Ok. Alors, on en est à combien de temps? On en est à 17 minutes, on va s'arrêter là pour ce premier épisode, comme ça il n'est pas trop long. On a déjà fait deux quêtes sur les 6, les 5 qu'il y a à faire. Si je vois que ça fait vraiment genre deux épisodes, peut-être qu'on fera les 10 quêtes de Moon, ou alors ça fera une très 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 courte série pour ce enquête du Dococo. En tout cas, je dois avouer que pour l'instant, j'aime bien l'ambiance et tout. En général, j'aime bien faire des quêtes, des nouvelles quêtes plutôt, parce que les nouvelles quêtes sont pas trop longues, etc. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Je sais pas trop quand est-ce que ce sera. Je vais sûrement vous parler d'une sorte de planning que je vais faire avec que j'ai sûrement fait avec le. Le merde, le parlons. En gros. Attendez, quand j'y pense. Ouais, je vais devoir faire un montage de ouf, je viens d'y penser, parce que j'avais tourné un précédent parlons, mais je l'avais tourné trop tôt, comme d'habitude, ce que je fais tout le temps d'ailleurs. Bref, je verrai ça plus tard, mais je sais pas trop quand est-ce que ce sera, il y aura peut-être un épisode de Resident Evil, etc. entre-temps. Donc, il y aura Resident Evil et sûrement. En fait, le truc, c'est que je ne mettrai jamais un épisode de Resident Evil et rien d'autre dans la journée. Il y aura toujours un épisode de Resident Evil plus un épisode de d'un truc Dofus, quoi. Sauf si j'ai vraiment rien du tout. Mais je pense qu'avant le prochain épisode, vous aurez sûrement une vidéo de Score 300 Idol qu'il me reste. Il me reste plus beaucoup, mais je préfère sortir tout ce qui me reste. Et voilà. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!